Sous l'impulsion des pasteurs de l'Église de la République du Congo, à savoir Mgr Théophile Mbemba et Mgr Émile Biayenda, devenu cardinal en 1972, fut créé le Carmel de Brazzaville le 8 février 1975. Il est situé à Kinsundi, à côté du séminaire Saint-Jean et la maison Père Paul Ondia des Spiritains. Les sœurs carmélites de Kinsundi, toujours joyeuses, aimables, douces et accueillantes, nous font dire qu'elles ont rencontré l'objet de leur inclination intérieure, gravée par l'esprit, les poussant vers ce pourquoi la vie moniale est faite et ainsi vers celui qu'elles contemplent, le Christ, qui constitue leur épanouissement. Ces personnes consacrées, dévouées dans une vie simple d'adoration, contemplation perpétuelle, d'humilité, de travail et de fraternité sont près de nous. Leur vie contemplative est une expérience riche et heureuse. Nous sommes venus
par ensuite de l'appel de Monseigneur Biayenda, qui est devenu cardinal après, et qui nous écrivait pour nous demander que nous venions fonder au cœur de l'église de Brazzaville, qui n'avait pas de présence contemplative. Et c'est cet appel-là qui a touché profondément mon cœur et qui a été, bon, comme il a touché aussi le cœur de Yagisèle, puisque nous sommes venus à deux. Et c'est ça le début de toute l'aventure, l'appel de l'église de Brazzaville et puis l'appel du Seigneur, je t'envoie. Voilà. Mais c'est le Seigneur qui me les a donnés, l'intelligence c'est lui. J'ai offert au Seigneur, c'est peu de choses par rapport à l'appel reçu de Dieu. Pour moi, beaucoup de gens ne comprenaient pas ma démarche. Me disait c'est du temps perdu pour rien. Mais c'est pas du temps perdu. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la vie. Et j'ai offert le peu que je pouvais offrir au Seigneur. Le bol du pauvre, c'est ça. Et j'ai reçu infiniment plus que cela. L'amour de Dieu est plus fort, est plus grand que tout ce que tous les diplômes et tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. J'étais encore très jeune quand je me suis senti attiré à me donner au Seigneur dans la vie religieuse. Je ne faisais pas de différence entre la vie contemplative et la vie apostolique. J'ai mis beaucoup de temps à discerner ma vocation. Et j'ai prié beaucoup. Pendant les vacances, quand j'ai participé à la messe de 6 heures, à la sortie, je me mettais dans un petit coin. Et là, j'ai prié. Et j'étais aussi en contact avec les religieuses de ma paroisse. J'ai partagé profondément avec une des sœurs. En travaillant à ranger les livres dans la bibliothèque, j'ai pu lire les livres des saints en bande dessinée. Cela me passionnait beaucoup et me augmentait en moi le désir de servir le Seigneur. Un matin, en me réveillant, encore couché, j'ai prononcé ce mot « Carmel ». Je ne connaissais pas la signification. Mais ce mot s'imposa à moi. Je me sentais habité par quelque chose de grand, de mystérieux. Quand je faisais mes activités, je sentais résonner en moi le mot « Carmel » au fond de mon cœur. Je me décidai d'en parler à mon père spirituel. Celui-ci me dit « Il n'y a pas de Carmel au Congo. Sois en paix. Continue tes études. Si cela vient de Dieu, il le réalisera. » J'ai continué mes études et une année plus tard, mon père spirituel m'annonce que les Carmélites sont arrivés au Congo. Et je me suis mis à trembler parce que je voyais que cet appel était sérieux. Ça venait de Dieu. Et il fallait me faire une démarche pour aller rencontrer les sœurs et leur partager ce que j'ai porté au fond de mon cœur. Je suis allé, je l'ai repartagé. Et continuellement, elles m'ont parlé du Carmel, j'ai vu que cela correspondait à ce que j'ai porté au fond de mon cœur. Poussé par l'Esprit Saint, nous sommes dit, nous voudrons être comme ces sœurs-là, suivre Jésus-Christ. Que faut-il faire alors? Nous avons écrit d'abord à Kinshasa. À Kinshasa, ils nous ont répondu, mais comment? On ne peut pas d'abord aussi écrire à notre Monseigneur. Nous avons écrit aussi là-bas. Bon, nous avons attendu. C'est depuis 1977 que ceci nous avons ouvert. Nous étions au nombre de plus de 25 membres. Mais comme ce n'était pas d'abord la fraternité,
Nous avons attendu, c'est comme diront les autres, c'est des frères, des amis de frères, vraiment attirés, vraiment bien approfondis. Nous venions, nous sommes dit, bon, maintenant que nous sommes là, nous allons chercher maintenant des prêtres qui vont nous former. Et les pères de l'Épiné, les abbés, tout le monde sont passés par ici, ils nous ont donné l'enseignement. Jusqu'à ce que les sœurs sont dit, les prêtres, ce ne sont pas les sœurs ou les prêtres là, qui ne sont pas des carmes, qui doivent faire une formation. Donc ce sont les carmes eux-mêmes. Nous avons reçu le père Jean 23 de Kinshasa, et puis il a commencé la formation. De 1977 jusqu'à 2015, ça fait plus de 7 ans déjà, parce que de 1977, 2015, jamais sommes restés frères. Mais nous sommes dit, mais comment on va faire alors? Patienter. Les sœurs ont dit de patienter. Parce que nous sommes venus trois. Nous sommes venus, vous nous voyez déjà. Bon, nous aussi, nous avons pris cette patience. C'est l'Église qui appelle, donc le Seigneur nous a déjà précédés. Il a certainement jeté des semences de cette vocation dans cette Église. Et nous allons à la rencontre de cette Église, nous allons commencer par nous laisser imprégner par la vie de ce peuple, hein, pour que les jeunes qui viendront après, ben, on puisse au moins mieux les comprendre, mieux partager leur vie. Et c'est comme ça que nous avons vécu tout simplement une insertion lente. D'abord, nous avons été quelques mois dans les villages, puis nous avons vécu dans un quartier de Brazzaville, à Bakongo, où le cardinal avait mis à notre disposition un petit logement. Et nous avions déjà là notre vie de prière, mais nous continuons à faire connaissance pas mal de jeunes. Nous étions juste derrière le lycée La Libération. Donc, pas mal de jeunes venaient nous voir, certains venaient prier avec nous, donc nous partager des intentions, tout ça. Donc c'est comme ça que doucement, tout a mûri, et c'est là que des filles sont venues. J'ai eu cette vocation à l'âge de 5 ans. Ça s'est révélé dans mon cœur. J'étais petite, mon cœur avait parlé en disant: tu vas prier pour les missionnaires. Demande que dans notre église du Congo, il y ait des prêtres et les religieuses. Donc, j'ai demandé à ma maman, est-ce que les religieuses, c'est les gens qui marchent, qui parlent, qui rient, qui dansent comme nous? Où tu as trouvé ça? Mais grand frère faisait le catéchisme à la maison. Alors, nous, on était trois petites qui couraient, qui tournaient autour du père qui enseignait le catéchisme. Alors, le père a dit: mes enfants, allez chez les mamans. Les deux sont partis chez leur maman. Mais comme moi, le catéchisme était dans la cour de notre maison, je suis allée m'asseoir dans une racine de manguier en ramassant ma petite robe, et je me suis trouvée en face du père qui enseignait le catéchisme. Alors il enseignait le formule des sacrements. Et de là, à la fin, il a parlé de l'ordination. Mbialou. Et cette parole, en regardant la bouche du père, et comme j'avais des barbes, la barbe dansait, et je regardais la bouche du père, cette parole est venue tomber dans mon cœur. Comme on jette quelque chose qui te touche, je suis restée tranquille. Il a continué son catéchisme, après il a fini. Les autres frères sont partis chez eux. Yaya est rentré à la maison pour boire l'eau et donner l'eau au père. Moi, je suis restée et je suis partie aussi à côté de maman. À la petite maison, le père s'est assis à la grande maison au village, on dit comme ça. Hein, la petite maison où on vit, le manoir. Maman,
Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé, dis-moi? J'ai trouvé Mbiaro. Mon cœur chante Mbiaro. 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 Maman me dit, Mbiaro, c'est les hommes. Mon père a fait Mbiaro, mais les femmes, c'est pas le Mbiaro. Je dis, ah, j'ai trouvé ça. Mais toi, fille, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire avec Mbiaro? Alors, je ne savais pas quoi dire à maman. Je suis rentrée à la maison, dans la grande maison. Papa avait déplacé le crucifix en haut au salon et la petite Thérèse à la droite. Alors, j'ai dit, il y a Thérèse, je pars chez Yahya pour lui demander qu'est-ce que ça veut dire, Mbiaro. Je regardais le crucifié, fixais les yeux au crucifié. Je croyais qu'il allait me parler par la bouche comme le père a parlé. Mais j'ai entendu, c'est le cœur qui a donné la réponse. De prier pour le missionnaire, de demander les prêtres, les religieuses dans notre église du Congo, il n'y a pas beaucoup de prêtres. Il n'y a pas beaucoup d'évêques. Mais tu pries pour les religieuses et toi-même aussi, tu seras religieuse. Tu ne te marieras pas. Je suis sortie en vitesse pour rejoindre ma maman. Maman, voilà ce que mon cœur a dit. Alors, les anciens, dans le Mbongi, hein, au village, il y a le Mbongi, le papa s'assoit. Ils ont dit, l'enfant a eu la réponse tout entier. En riant, hein, en clatant, l'enfant a eu la réponse tout entier. Et après, maman m'a expliqué, comme j'avais posé la question, les religieux, c'est là, puisque les prêtres venaient dormir dans la maison de papa, je le voyais. Je suis grandie et lettrée. Et de ça, j'ai continué à vivre ma vie de prière. Voilà que je fais mes bagages pour aller à l'Inzolo attendre. J'ai parlé au cardinal Émile Belinda de son vivant. J'ai expliqué et j'ai mimé comment je veux prier. Elle m'a dit, les soeurs qui prient comme ça, ils ne sont pas ici. Mais on ne sait pas quel jour ils vont venir à Brazzaville. Est-ce que tu vas rester pour garder la chasteté? Est-ce que tu vas arriver? J'ai dit, si ils vont venir, je les attends. Et je les attendais. Jésus m'a appelé à vivre en union avec lui et j'aime beaucoup la vie communautaire, la vie de travail. J'ai cherché, j'ai demandé et me voilà au Carmel depuis 20 ans. La première mention historique de la dévotion mariale des ermites du Mont Carmel date du début du XIIIe siècle. Les ermites construisirent une église en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. À cette époque, en effet, lorsqu'on fondait un couvent ou une église, la règle canonique exigeait de leur attribuer un titre, titulus en latin. C'était un terme juridique qui signifiait et enregistrait officiellement la consécration de l'église au saint dont elle recevait le nom. Et ceux qui desservaient cette église étaient eux-mêmes consacrés au service de ce saint. Ainsi, en consacrant leur église à la Vierge, les frères du Carmel se consacraient eux-mêmes à elle, à son culte et à son service. Pour cette raison, ils furent appelés frères de la bienheureuse Vierge Marie du Carmel. Nous appartenons à une famille consacrée particulièrement à l'amour et au culte de la Sainte Vierge.
La Vierge Marie remplit de sa présence l'histoire de l'ordre. Nos saints fondateurs et saints parents, Thérèse de Jésus et Jean de la Croix, ont confirmé et rénové la piété mariale au Carmel. Ils présentèrent Marie comme mère et patronne de l'ordre. Leur vie mariale fut intense. Devenue orpheline, la petite Teresa de Ahumada choisit Notre-Dame pour être sa mère. Elle avait un sens profond de l'appartenance de l'ordre à Marie et engageait ses carmélites à être de vraies filles de Notre-Dame. La bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel est la patronne de notre Carmel de Kinsundi, ce qui ajoute davantage une note particulière à cette fête. Les autres solennités, fêtes et mémoires de Marie sont célébrées avec un relief spécial. Tous les samedis de l'année, selon les rubriques liturgiques, nous célébrons la mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel à la messe et à l'office divin. Tous les samedis, le jour ou la veille des solennités et des fêtes de la Vierge Marie, nous chantons solennellement l'antienne Salve Regina selon la tradition de notre ordre. Au niveau de la vie communautaire, tous les samedis, nous avons la récitation du chapelet en commun. Les autres jours, chaque monial honore personnellement Marie par un authentique culte filial, notamment par la récitation du rosaire. La Vierge Marie est notre mère, notre patronne, notre modèle et notre maîtresse spirituelle. Nous essayons d'imiter chaque jour ses vertus. Marie est modèle de silence et de contemplation. Dans le silence et l'espérance, nous essayons de l'imiter dans sa simplicité, sa sobriété à travers notre vie, nos structures, notre façon de nous habiller, notre cellule, la nourriture, nos relations fraternelles, notre rapport avec l'extérieur. Nous essayons d'imiter son humilité dans notre rapport avec Dieu et les unes avec les autres. La bienheureuse Vierge Marie a réalisé tout ce qui est essentiel au Carmel. La recherche de Dieu dans le silence, la solitude, la vie fraternelle, le travail. Car Dieu seul suffit. J'ai fait le collège à Makwa, au village de Makwa, ici au Congo-Brazzaville. Le collège Édouard Ombeta. Et puis je suis passée par le lycée Champagnat à Makwa toujours. Et puis je suis venue continuer à Brazzaville et suivre une formation à l'école normale primaire à Potopoto chez les sœurs missionnaires de Marie à Saint-Anne. La récréation, c'est le moment où toutes les sœurs se trouvent ensemble. Et là, comme au Carmel habituellement, c'est le silence. Même si on doit se communiquer, se parler un peu, mais il faut toujours parler doucement, sans faire trop de bruit. Donc à ce moment-là, quand on fait la récréation, c'est là où tout le monde est libre, chacun peut s'exprimer, partager ce qu'il a vécu dans la journée. Comme nouvelle, comme ce qu'elle a vécu dans son travail et partout là elle a passé. Donc c'est le moment là où on se partage ensemble, le sourire, la joie, tout ça là, tout le monde se partage. Il y a aussi monsieur qui fait la lecture, qui suit les informations, parfois on lisait les journaux. Donc à ce moment là, c'est là où elle nous partage aussi ce qu'elle a lu dans les journaux. Et on suit aussi la télévision. On se partage par rapport à ce qu'on a regardé dans la télé, la situation qui se passe, tout ça là, on se partage aussi. Il y a quelques petites modifications dans l'horaire de dimanche. Il se présente comme suite. 6h15 levée, 6h50 Angélus, Lode, suivi de tierces.
17h45, Eucharistie, suivi du petit déjeuner. 11h45, prière de sexte et nonne, suivi du repas de midi et de la récréation. 14h, temps libre pour se reposer, lire et se détendre. Le premier dimanche du mois, c'est une journée de désert, une journée de retraite, dans le silence, recueillement et dans la solitude. Nous n'avons pas de récréation ce jour. Le repas se prend en solitude. Tous les dimanches à 17h et les premiers vendredis du mois, nous avons l'exposition du Saint-Sacrement pour les intentions des prêtres, pour les soutenir dans leur mission. C'est d'abord une grande action de grâce. En réponse à l'appel de l'église de Brazzaville, nous avons réfléchi toutes les étapes de la naissance du Carmel avec nos pasteurs. Le cardinal Émile Biayenda, puis Mgr Batantou et maintenant Mgr Anatole Milandou. Nous avons pris le temps, à notre arrivée, de faire connaissance avec notre peuple. Nous avons vécu quelques mois dans les villages pour nous laisser imprégner par la vie des gens. Puis nous avons vécu dans un quartier de Brazzaville. Pendant 5 ans, cheminant avec quelques jeunes qui venaient régulièrement nous rencontrer. Nous avons commencé la construction du monastère lorsque nous avons senti l'appel de Dieu qui résonnait fortement dans le cœur de 2 jeunes congolaises, sœurs Françoise et Pauline. Les fraternités de plusieurs paroisses sont venues nous aider à défricher, déboiser la forêt. Beaucoup d'amis de partout se sont spontanément pour nous aider à construire cette maison de prière. Un entrepreneur de la place s'est offert gratuitement pour une partie de la construction. Nous sommes 11 sœurs. L'une de nous, Yamari Chantal de Jésus, a rejoint le Seigneur le jour de Pâques 2014. Nous avons été très frappés par l'affluence des gens aux obsèques. Presque tous les évêques du Congo étaient présents avec le nonce apostolique et une 50aine de prêtres et beaucoup de religieuses. Les grands séminaristes et les frères et sœurs de la paroisse voisine se sont mobilisés pour tout préparer. À la fin de la célébration, Mgr Milandou nous a dit « Vous êtes enfouis ici, mais toute l'Église du Congo vous connaît et vous aime et compte sur votre prière. » Cela nous a beaucoup touchés. Nous poursuivons ensemble notre vie de prière, de présence contemplative, heureuse de vivre avec le Seigneur, pour lui, par lui, pour l'Église et le monde, et de fraternité. Il faut dire qu'il y a d'abord les carmélitaines qui sont, bon, disons, cloîtrées, comme vous le dites, mais il y a les carmes qui sont comme dehors, un peu dehors et un peu dedans. Et il y a nous, les laïcs, qui sommes dans le monde ambiant, mais qui vivons la spiritualité carmélitaine. Nous parlons quand il y a une nécessité, par exemple dans le travail, et cela à voix basse, ou dans les recoins pour ne pas déranger le silence des autres. Nous prenons aussi la parole dans les réunions communautaires, dans les partages spirituels de la parole de Dieu. Nous avons aussi des jours où le silence est levé, les jours de fête et pendant nos vacances communautaires.
En tout, que nous soyons en silence ou que nous parlions, notre idéal est de tout vivre sous le regard du Seigneur. Moi, ce qui m'avait intéressé, tous les matins, je venais ici chez les sœurs, prier ensemble, on faisait le breuvet, et puis ça m'intéressait. Après, les sœurs nous ont proposé de nous donner l'escapulaire, ce que je porte là, pour que nous soyons ensemble avec eux. Les mamans, en tout cas, ont été très sensibles, se disant que ces femmes qui sont enfermées là, il leur manque beaucoup de choses. Et il n'y a que Dieu qui peut leur donner. Même nous ne pouvons pas leur donner ce dont elles ont besoin. Et donc ces mamans se sont mises à prier. Et au fur et à mesure, bon, les responsables carmes ont pensé que cette fraternité, ces hommes et ces femmes qui viennent ici, pouvaient former vraiment un groupe régulier. Responsables carmes ont commencé à nous former sur ce que c'est qu'un carme ou une carmélite et les carmes séculiers. Donc nous qui vivons dans la vie régulière, dans la vie de la cité, ce que nous pouvons faire. Et donc dans ce groupe, avec les frères, nous venons à la messe d'abord, nous prions, nous partageons tous les moments de prière communautaire au sein des Amis du Carmel. Nous nous retrouvons une fois entre nous, les Amis du Carmel, pour prier. Et une fois aussi, nous nous retrouvons avec le responsable carme pour nous donner des enseignements. Donc là, nous sommes en train de cheminer et ça dépendra du Seigneur ce qu'il voudra faire de nous. Et le témoignage de vie de notre sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, proclamée patronne des missions par le pape Pie XI, au même titre que Saint François Xavier, qui était jésuite, est assez éclairant sur notre manière d'aller aux périphéries existentielles. Le cœur d'une carmélite est aussi vaste que le monde. Elle se tient en adoration, en louange, en supplication et en constante intercession au pied du Seigneur, qui est amour débordant pour chaque être humain. La carmélite est en perpétuelle sortie de soi par la prière, l'amour, le sacrifice, à la rencontre de ses frères et sœurs dans leurs diverses situations pour les offrir à Dieu. Nous ne sommes pas carmélites pour nous-mêmes. Nous le sommes par grâce de Dieu pour l'Église et pour le monde. La carmélite soutient aussi par sa prière ses frères et sœurs qui vont à la rencontre des autres dans les périphéries existentielles. Elles se sont parties prenantes de cette sortie vers les autres. Nous accueillons donc cet appel du Saint-Père François comme une interpellation à nous engager plus profondément et en vérité dans la vocation qui est la nôtre. Demeurer à la source jamais tarie du cœur de Dieu, avec et pour nos frères et sœurs en humanité, dans leurs diverses situations de vie. Nous lançons cet appel, qu'elles viennent à nous, qu'elles ne craignent pas, nous sommes là pour les écouter et discerner ensemble ce qu'elles portent dans leur cœur. L'appel du Carmel est un don de Dieu. Je suis venue au Carmel depuis 2007. Je suis professe de 3 ans déjà. C'est la vie de la prière qui m'a beaucoup touchée et que j'ai beaucoup aimée depuis mon enfance. Et je cherchais le Carmel pendant des années, et fin de compte, quand je l'ai trouvé, j'ai trouvé le diamant que je cherchais, qui est le Christ. Et j'aime beaucoup la vie du Carmel, surtout la vie de l'oraison, la prière, dans l'ensemble, tout me plaît. Elle a une place dans notre vie. Comme temps de détente,
Nous avons les jours de l'octave de Noël et de Pâques, les grands jours de fête, les vacances communautaires, la fête de la prière, etc. Ces temps de détente sont meublés par le repos, les jeux, les chants, les contes, les devinettes, la danse et les rencontres joyeuses en communauté. C'est pendant les jours des fêtes que l'Église même proclame, il y a l'octave de Pâques et Noël aussi, nous en profitons, et les dimanches. Et la communauté aussi s'est créée quand ils voient que les membres sont un peu fatigués, alors on cherche du temps de détente et puis c'est comme ça qu'on se recrée. Au début, ce n'était pas facile, mais le Seigneur a suscité un Simon de Cyrène dans ma famille qui fut ma tante. Et c'est elle qui m'a élevée et elle m'a beaucoup soutenue. Et voilà pourquoi je suis religieuse aujourd'hui. Et ça fait la joie de la famille toute maintenant. Elle fabrique des hosties pour toute la République du Congo. Confectionne les robes
des prêtres lors des ordinations et elles pratiquent l'activité maraîchère pour leur autoconsommation. Chrétiens vivant aux alentours du Carmel de Brazzaville prient chaque jour avec les religieuses. Ils ont créé une fraternité dénommée Fraternité Carmélitaine de Kinsundi. D'aucuns disent que la vie au Carmel paraît mystérieuse. La vie de prière, l'Eucharistie, l'office divin, les deux heures d'oraison nous sont comptées ici par la sœur prieure. Au cours de cette année dédiée aux personnes consacrées, prenons le temps de découvrir les sœurs carmélites de Brazzaville, prier avec elles et voir combien leur présence est une action de grâce pour tous les croyants. Le Carmel doit vivre, hein? Et nous devons subvenir nous-mêmes à nos besoins. Nous avons une vie sainte, mais il y a les frais médicaux, il y a les maladies, il y a ceci, il y a ça, il y a les sessions de formation, il y a beaucoup de choses dans une vie. Et s'intéresse, tenez à ce que ces filles travaillent de leurs mains pour gagner leur vie. Nous ne sommes pas derrière les gens à aller travailler, mes filles. Donc, et ça, c'est fort en nous. Donc, nous travaillons et quand nous sommes arrivés, dès que nous sommes arrivés, nous avons cherché un petit travail, même quand nous étions à Bakongo, nous avons cherché un petit travail parce que nous devions vivre, personne ne nous envoyait de l'argent pour vivre. Donc, on a commencé, Gisèle savait très bien coudre, on a commencé à faire les ornements pour les prêtres, et moi je savais faire un peu de bureautique, j'ai fait un petit peu de choses comme ça. Et puis, après arriver ici, nous avons vu que le diocèse n'avait personne ne fabriquait les hosties, et dans ma communauté, on fabriquait les hosties pour le diocèse. Donc c'est comme ça que nous avons parlé à nos évêques, qui ont été très contents à ce que le pain d'autel que nous soit fabriqué ici au Carmel, parce que c'est un travail que nous pouvons faire sur place sans problème, et ça arrangeait l'église. Et les aubes aussi, nous pouvons travailler sur place et ça rend service aux séminaristes et tout ça. Nous faisons des prix quand même pas très chers, mais ça nous permet de vivre. Voilà, nous n'avons jamais cherché à faire du commerce, ça ne nous intéresse pas, mais nous cherchons à subvenir aux besoins de notre vie. D'ailleurs, ça, on ne peut pas avec ça subvenir aux besoins extraordinaires. Par exemple, pour la construction, ce n'était pas possible. Mais nous avons, ça c'est ça qui m'a toujours frappée, dès qu'il y a eu des dépenses un peu comme ça, qui nous ont surprises, toujours il y a eu quelqu'un qui, sans qu'on demande, qui nous a fait un signe. Dieu est vraiment grand. Quand on lui fait confiance et quand on se donne, il ne s'agit pas d'être paresseuse et de tout. Non, nous nous donnons dans le travail, mais nous nous donnons avec le cœur donné à Dieu. Et prière et travail deviennent un. C'est ça, au Carmel, que nous tâchons de former les jeunes dans cet esprit-là, parce que c'est ça, prière et travail dans l'amour. Et réalistement, pour subvenir à nos besoins. Et puis, il y a toujours plus pauvre que nous. Il y a toujours plus pauvre à qui partager. Des difficultés, ça fait partie de toute vie. Mais vous voyez, c'est un processus dans lequel nous sommes entrés avec tout notre cœur et Dieu a réalisé à travers notre petitesse et nos insuffisances. Saint Paul s'écrit « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ».
Et cette expérience, tout homme est appelé à le faire, à la faire, à faire, parce que tout homme est aimé de Dieu et parce que Dieu a soif que tout homme le connaisse, parce que là est le bonheur et la réalisation de l'homme. Souvent, on ne le sait pas, mais on ne sait pas à quelle grandeur nous sommes appelés, mais en Dieu, dans l'amour. Voilà la sagesse de Dieu. Il prend un visage d'homme pour qu'à travers ses gestes, ses paroles, son regard, eh bien, nous apprenions qu'il est amour, amour sans limite. Amour infini. Il va même jusqu'à se laisser crucifier, traverser notre mort pour en faire un passage vers une vie sans fin, vers un amour, vers une paix qui est la paix de Dieu et l'amour de Dieu. Mais tout homme ne le sait pas. Mais c'est ça le mystère d'amour de Dieu. Alors, voilà, c'est ce mystère d'amour qui est la clé de notre vocation de carmélite. L'amour du Christ nous a saisis et nous voulons faire de notre vie un oui à l'amour. Une présence d'amour, un dialogue d'amour, une offrande d'amour, une communion à Dieu dans l'amour, au nom et pour tous nos frères. Nous avons soif de nous laisser transformer par cet amour, mais nous avons soif surtout que Jésus soit connu, aimé de tout homme, parce que nous faisons l'expérience de cet amour qui libère, qui élargit, qui le cœur et qui donne paix et joie et qui construit la fraternité entre nous. Donc au Carmel, nous sommes appelés à faire de toute notre vie une prière, mais nous avons des temps forts de prière communautaire qui jalonnent toute notre journée. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Eucharistie, l'Office divin et nos deux heures d'oraison silencieuse. D'abord, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la grande action de grâce de l'Église au Père pour le salut donné au monde par Jésus crucifié, ressuscité. Donc nous faisons mémoire de son sacrifice, de son amour, hein, et c'est en communiant à son corps, à son sang livré, en écoutant, en accueillant sa parole, que cette union au Christ s'approfondit, s'intensifie en nous. Et c'est peut-être là et sûrement que nous rejoignons le plus en vérité toute l'humanité, que nous pouvons la prendre, la couler dans l'offrande du Christ au Père. Hein. C'est un très grand moment, le cœur de notre vie. Et il y a l'Office divin qui nous réunit plusieurs fois par jour, le matin, dans la journée, le soir, pour la prière. C'est aussi l'Office divin est aussi la grande prière de l'Église qui traverse les siècles, qui irrigue les siècles comme un fleuve. Hein. C'est la voix de l'Église épouse qui rend grâce à son époux, le Christ, et saint Paul qui nous en parle, hein, et intercède pour le monde entier. Elle nous réunit à la chapelle, donc plusieurs fois par jour, comme je disais tout à l'heure, pour la louange du Seigneur, pour offrir, confier, implorer au nom de tous nos frères en humanité. Et les deux heures d'oraison silencieuse. L'oraison est une vie. C'est une manière de vivre. C'est une vie d'amitié avec le Christ dont nous nous savons aimer. Toute notre vie tend à se laisser imprégner par cette amitié avec le Christ, par cet esprit. Mais nous avons deux temps forts de dialogue intime avec Dieu, une heure le matin, une heure le soir. Être là avec lui. Tendre à lui donner tout
notre cœur, le regarder, demeurer en silence, l'écouter, nous offrir à lui, dialoguer avec lui. C'est notre joie et c'est aussi notre combat pour nous rendre totalement présentes, pour demeurer présentes à son invisible et intime présence. Les pensées peuvent partir à droite, peuvent partir à gauche, peuvent partir ici, et il faut les ramener doucement à cette présence. Il faut revenir à lui. Et cette prière nous apprend à sortir de nous-mêmes pour faire toute place à Dieu et à tous nos frères. Ce n'est pas automatique, c'est un long chemin d'offrande. Il faut nous laisser envahir par cette présence, nous laisser envahir par cet amour. C'est un chemin qui s'approfondit toute la vie. Notre Mère Sainte Thérèse nous dit que faire le chemin de l'oraison, c'est se décider, c'est un mot qu'elle aime beaucoup, se décider à être les serviteurs de l'amour. L'oraison vraie ne nous évade pas de la vie, elle nous y renvoie. Et c'est tout le réalisme de notre vie fraternelle, de notre vie offerte. Au Carmel, le silence est très important, mais la vie fraternelle a une très grande importance. Peut-être que je peux dire quel est le baromètre de notre vie de prière. Sainte Thérèse, dans son réalisme, disait à ses filles, « Avant de vous parler explicitement de l'oraison, de ses étapes, je veux vous parler de trois choses indispensables pour devenir des priantes, pour devenir des contemplatives. L'une est de vous aimer les unes les autres. L'autre, le détachement de toute chose. Et la troisième, et elle ajoute, en troisième position, mais c'est le fondement de toute la vie spirituelle, c'est l'humilité. »